عارف تفوش هاد حيت يلا درت فيديو قبل من هادي ما عرفتش تسجلات ولا ما تسجلاتش. المهم الا ما كانش طالعة انا راه جوسخ اوبليجي باش نعاود داكشي اللي كنت كنقول في قبيلة. بغيت نعرف هداكشي اللي كنت كندوي فيه واش طلع ليكم ولا ما طلعش ليكم لا فيديو اللي كانت قبل من هادي. دابا j'aurais besoin d'un feedback s'il vous plaît parce que c'est très important là je me sers la chaîne douée en fin de compte je pense que dès que je m'attise je alors je pense que m'attise je sais que je ne fais pas le bel parce que le nombre de vues a été trop limité pour la vidéo là je ne partage pas mon numéro de téléphone pour les lives mais n'attends les qu'on bête par la suite. Alors, بالنسبة لداكشي اللي كنت دويت فيه من قبل واش تسجل ولا ما تسجلش واش كان شي لايف قبل من هادو ولا لا سي تري امبورطون باسكو سينو نكمل داكشي اللي بديت فيه ولا نعاود. بونجور اكزاكتومون. Alors de toute façon je vais répéter parce que je pense que ma cache d'accès me sigil. Alors, je disais tout à l'heure, bon, quand ma brèche est très liée à d'accord. Alors, je comprends que ma casque est. Alors, je vais vous la vidéo, une relation directe avec le problème économique et sociaux. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, la vidéo, le PES. Alors, je vais essayer, Inch'Allah, de traiter les 6 chapitres, en passant par le capitalisme. La mondialisation, la révolution industrielle, le chômage, l'inflation et croissance et développement. Alors c'est des lives normalement qui traitent le PES tout en respectant le cadre, le cadre théorique utilisé par les professeurs de la fac de Sba ou la fac de Trajdida. Parce que de toute façon c'est des vidéos dans le monde et le soutien universitaire. Alors, la base d'explication, c'est des supports de cours, c'est des supports normalement des professeurs d'IACOM. Alors, ils sont devant moi, regardez. Alors, il y a une toute explication, on ne va pas sortir de ce cadre. Comme ça, ça va vous permettre de comprendre directement les éléments de réponse au niveau de l'examen. Là, je n'ai aucun direct. D'accord, ça marche. D'accord, alors, je vais faire un petit rappel, ce qui a été élaboré la dernière fois, et par la suite, je vais essayer de continuer les explications. Alors, je vais vous donner 30 minutes maximum pour vous, parce que je suis en route à un rendez-vous d'un professionnel. Alors, je suis en train d'en profiter pour partager comme je souhaite le savoir. Et par la suite, c'est à vous de faire le partage. Mais je vais vous donner 15 jours à vous traiter des chapitres. Alors, en ce qui concerne le capitalisme, alors la dernière fois, j'ai essayé un peu de parler d'histoire du capitalisme. Vous dites que les racines d'Yalo, c'est des racines, les jaïnes, la période. Il y a le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Encore, j'ai essayé de traiter le volet qui traite la liberté économique, que ce soit la liberté d'entreprise ou la liberté d'échange. Alors, la vidéo, je vais vous la vidéo parce que je vais vous faire le fil conducteur. Normalement, le capitalisme, la notion, c'est une notion de base qui fait référence à l'accumulation du capital, qui fait référence à la détention des moyens de production. Le fait de détenir les moyens de production, cela n'explique pas que nous sommes en train d'organiser la production selon les principes du capitalisme. Mais quand est-ce qu'on parle du capitalisme? C'est lorsqu'il y a la recherche de profit à travers la détention des moyens de production. Mais les facteurs de production, que ce soit facteur capital ou le facteur travail, il y a deux facteurs qui sont à la disposition des lois les salariés. Les salariés, c'est qu'on a la force de travail et grâce à cette force de travail qu'on va générer adéquatement de la valeur. Et cette valeur, normalement, elle doit être répartie selon les conditions imposées par le marché et les conditions imposées par celui qui détient le capital. Alors, au niveau théorique, quand on parle du capitalisme, alors il faut traiter les fondements de base du système capitaliste. Alors quand on parle d'un système, c'est-à-dire c'est un mode d'organisation de la production, alors les fondements de base qui sont les juges, les fondements économiques et juridiques, et il y a les fondements idéologiques,
psychologique. Alors, ce que je vais traiter maintenant, c'est la partie qui traite les fondements juridiques et économiques. Et en ce qui concerne le volet juridique, j'ai dit la dernière fois, c'est la propriété privée, c'est la liberté économique. C'est, quand on parle de la liberté économique, c'est le fait que nous sommes en train de traiter la liberté d'échange et la liberté d'entreprise. J'ai dit que la liberté d'entreprise, c'est que chacun de nous, s'il a le capital, il peut ouvrir une entreprise et cette entreprise, normalement, va lui permettre de réaliser un profit à travers une opération de production des biens et des services. J'ai dit encore que la liberté d'échange, c'est lorsqu'on peut acheter une marchandise ou on peut vendre une marchandise ou on peut stocker une marchandise. Alors, ces trois opérations, normalement, qui attaque la propre la liberté d'échange, c'est-à-dire que nous sommes libres une marchandise nous sommes libres d'acheter une marchandise en stock. Alors, en ce qui concerne la liberté économique qui est la liberté d'échange et la liberté d'entreprise, les deux termes normalement doivent nous conduire au fondement du mécanisme pur du marché. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le mécanisme pur du marché? Le mécanisme pur du marché au niveau d'un régime qui fait la concurrence pure et parfaite, c'est le fait que les prix sont fixés à travers la loi de l'offre et la demande. Les lois sont fixées à travers la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir et que les prix doivent être fixés selon un raisonnement qui est imposé par la volonté de l'offre et la volonté de la demande. D'un point de vue qui est microéconomique, nous avons schématisé ensemble au niveau des explications la courbe de l'offre et la courbe de la demande. On a dit qu'ils vont c'est-à-dire se mettre d'accord par deux points d'intersection, puisque la fonction de l'offre est une fonction qui est croissante par rapport au prix et la fonction de la demande une fonction qui est décroissante par rapport au prix. Alors, qu'est-ce que la courbe de l'offre, la courbe de la demande, qu'est-ce que la fin de l'octave, qu'est-ce que le point d'équilibre? Alors, comment ça, la fonction de l'offre est une fonction croissante par rapport au prix et la fonction de la demande, c'est tout à fait le contraire. Alors, ملي كنربطو الثمن بالوفر يعني انا كنبيع واحد السلعه الوغ كيفاش كيكون الكومبورتمون ديالي؟ لو كومبورتمون ديالي هو كالتالي انني انا ملي غنسمع بان الاثمنه طلعت في السوق اوتوماتيكمون كنحاول نطلع في كميه الانتاج وهذه الكميه ديال الانتاج كل ما درت اون برودكسيون كي امبورطونت كل ما غنبيع اكثر كل ما غنرياليزي لو بروفيت الوغ هنايا سي ان برانسيب كي تري امبورطون où le prix va déterminer la quantité de production que j'ai envie de produire au sein d'un marché. Alors, est-ce qu'un groupe a une fonction croissante, il y a une offre qui est la logique du prix. Qu'est-ce que le prix, qu'est-ce que l'offre. Qu'est-ce que le prix, qu'est-ce que l'offre. Alors, comment ça, le fait que la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. C'est-à-dire que l'axe, elle a la demande, elle a le prix, mais qu'est-ce que là, la demande, qu'est-ce que le prix médical va la demande catalan. Alors là, c'est tout à fait le contraire. Alors on dit que la fonction de la demande est une fonction décroissante par rapport au prix. Mais allez, la courbe de l'offre et la courbe de la demande juge par rapport au prix. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait le raisonnement de l'offre et il fait le raisonnement de la demande entre la quantité et le prix. L'offre et la demande, l'offre et la demande, c'est elle qui assure l'équilibre au sein du marché de biens et services. C'est-à-dire que le point est avec le point qui est en produire et le prix qu'on doit produire. Alors, la facture qu'on est là, de toute façon, on a fait plusieurs projets ensemble. Alors, il est en train de m'appeler, de toute façon, électrique de chauffe. Alors, je continue l'explication. Alors, je veux dire, au niveau de YNL, il y a la loi de l'offre et la demande, parce que normalement, le système capitaliste fait un fondement juridique qui est très important, c'est la propriété privée. Et la propriété privée, normalement, nous conduit directement à la liberté économique. Et la liberté économique, c'est la chose, la liberté d'échange et la liberté d'entreprise. La liberté économique, c'est le principe du fonctionnement du marché. Le capitalisme, normalement, les prix sont fixés par la loi et l'offre et la demande. C'est le principe du base au niveau du système capitaliste. Alors, quand on parle de mécanisme pur du marché, c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir, c'est que l'offre et la demande, ils vont se mettre d'accord pour fixer un prix d'équilibre. Alors, je continue mon explication puisque j'ai un support de cours. Alors, il me sert de référence. Il faut que je mette le cadre théorique du COM. Comme ça, on va faire une alternance, mais le cours du prof ou le cours du COM. Alors, ce que j'ai devant moi ici,
Alors, le principe de la liberté économique sert de fondement à ce qu'on appelle l'économie du marché. Alors, je vous ai parlé de l'économie du marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Contrairement à une politique interventionniste qui a été proposée par, ce qui va être proposée par Keynes, dans la crise de 1929, à des mécanismes purs du marché, ne peut plus servir l'intérêt général. Alors, il y avait des crises au niveau de l'économie réelle et normalement, dans la conception, la formation sociale. La formation sociale, c'est l'existence de deux systèmes à la fois. Un système qui va permettre les entreprises, le bien-être de l'homme, en même temps, permettre un équilibre social. Et là, le rôle de l'État, l'État gendarme, l'État providence, en ce qui concerne les allocations de ressources, en ce qui concerne la justice sociale et l'équilibre macroéconomique qui est interprété par le carré magique. قلت فما عصام شي اللي كنقول الاول سمعنا تاع لا لا انا غادي في البروجي ديالك دابا قلت له البروجي ديالك طرح البرودوي دابا القرايه معنا تاع علاقه باللوكاسيون لا لا دابا لا البرودوي ديالك في الفيس داكشي اللي كاين وانا عندي ميت سالك تبارك الله عليك راك فاهم وي انا جي كونتي هانت Alors je disais, au niveau, il y a le mécanisme pur du marché, mais normalement, il y a la notion du base, la loi de l'offre et la loi de la demande, ainsi que la loi de l'offre et la demande. Alors, on a parlé du principe que la fonction de l'offre est une fonction croissante par rapport au prix et la demande décroissante par rapport au prix. Mais quand même, il y a des exceptions. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que quand on parle de la loi de la demande, par exemple, qui va atteindre le prix, elle est le raisonnement de la demande. Alors, ce n'est pas toujours le cas quand on dit qu'une diminution du prix va augmenter la demande parce qu'il y a des exceptions. Parmi les exceptions, les canines. Alors, l'effet de spéculation, c'est que même parfois, il y a toute augmentation de prix ne va pas permettre la demande à la servante. Par contre, elle va augmenter. Là, par exemple, une drôle de tête. Il y a un motif de spéculation, c'est que je vais acheter pour revendre. Alors, une augmentation des prix qui serait la demande chez l'extérieur, qu'il par exemple l'effet de snobisme. Il y a une couche de la société qui veut se distinguer. Le prix est chez l'extérieur. Qu'il encore les produits de première nécessité, c'est-à-dire que même s'il y a une augmentation des prix, le comportement de la demande reste indifférencié, c'est-à-dire indifférent, c'est-à-dire qu'il continue à consommer parce que c'est un bien, c'est des biens qui permettent de satisfaire des besoins élémentaires. Nous avons encore l'effet parmi les effets, c'est que oui, l'effet d'anticipation à la hausse, c'est-à-dire que la demande il se dit. Il se peut que le prix va augmenter dans le futur, alors même s'il y a une augmentation actuelle, alors cela ne va pas me permettre un échelle en quantité, peut-être pour éviter toute augmentation future. Alors, si ça fait quand même qu'il trouve les exceptions, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas, que la demande est une fonction décroissante par rapport au prix, parfois il se peut qu'elle soit croissante par rapport au prix. Mais c'est très important de rappeler, puisque nous sommes en train de traiter le cadre théorique du capitalisme. Alors, le libre fonctionnement du marché, alors qu'il y a deux conditions qui sont nécessaires. Alors, la première condition, c'est la non-intervention de l'État. Et deuxième cas qui est très important. Alors, le deuxième point qui est très important, c'est celui non d'atteinte à la concurrence, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une structure ou un régime du marché monopolistique, parce que de toute façon, quand on parle d'un régime monopolistique, c'est que l'État va intervenir pour créer des obstacles à l'entrée, ou des obstacles à l'entrée, ou des barrières à l'entrée, sont refusés dans le système capitaliste. Bref, les cinq conditions, quand on parle de la concurrence pure et parfaite, c'est l'atomicité, l'homogénéité, libre entrée, libre sortie, et la mobilité des facteurs de production. C'est des éléments importants pour vérifier la concurrence pure et parfaite. Alors, ce n'est pas le sujet de notre discussion, parce que nous ne sommes pas en train de traiter la microéconomie. Alors, nous sommes en train de traiter le volet économique du capitalisme. Alors, nous sommes toujours dans le cadre des fondements économiques et juridiques. Nous avons ici regardé, quand on parle du mécanisme pur du marché, alors, il y a de la logique du fonctionnement du marché, il y a des économistes qui sont d'accord ici quand on parle de la conception
كلاسيك كاك نيو كلاسيك باغ كونتر بونجور امي جمعه مباركه عاود الله يخليك حيت ما تسجلش اي ميرسي لا لا غادي تسجل ملي غادي ندير اونتري غادي تسجل خلي الله يشوف من بعد ماشي مشكل الوغ il y a des économistes qui ont refusé هاد لا لوجيك alors comme Keynes ainsi que Karl Marx. Karl Marx a fait le grand débat littéraire, c'est que l'exploitation de la couche des prolétaires qui participe à la force de travail ou à de la force de travail normalement qui est engagée durant le processus de production qui est en fin de compte une rémunération qui crée la plus-value ou à de la plus-value normalement elle n'est pas répartie d'une façon qui est une façon qui est efficace, d'une façon qui permet de compenser réellement la force qui a été engagée durant le processus. Keynes galek non, le fonctionnement du marché normalement il ne va pas servir à un équilibre au niveau du long terme, du coup il doit y avoir toujours une force supérieure qui essaie un peu de voir et de faire la part des choses. Alors c'est l'État, le rôle de l'État. Ici on parle de l'État providence, alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, LHN tout simplement avec la rationalité des doigts, les classiques, les néoclassiques, ce n'est pas toujours vérifié dans la conception keynésienne parce que nous disposons pas d'informations du jour au jour, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, parce que nous n'avons pas la compétence de vérifier ces informations. Alors tout ça entre dans tout ça permet de vérifier la conception keynésienne, la critique dialogue concernant le mécanisme pur du marché. Alors très bien, alors qu'est-ce que nous avons ici, parce que alors on va s'arrêter ici باش ندوو في الفيديو ان شاء الله ملي غنسالي لو رونديفو ديالي غادي نسالي غادي نكون رجاء غنشوف معكم لي فوندمون ايديولوجيك سانتيفيك تكنيك دو لو كابيتاليزم جوسكا بريزون نو افون ايفوكي لو كوتي ايكونوميك انسي كو لو كوتي جوريديك الوغ في لي فوندمون دو باز دو سيستيم كابيتاليست لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي ندوي لكم على لي فوندمون ايديولوجيك سانتيفيك تكنيك دو سيستيم كابيتاليست اون فافوار سكو نونتون بار لو بروفي لا راسيوناليتي لا ريشيرش دو بروغري سي دي زيليمون كو فون تريتي ان شاء الله ainsi que les caractéristiques de la société capitaliste. On va parler de l'organisation de la production au sein des entreprises, c'est-à-dire l'école scientifique de travail, concernant le fordisme, le taylorisme. Nous avons ici encore le principe de sélection d'entraînement des ouvriers. Nous avons encore les principes de fordisme, ainsi que l'évolution de la société capitaliste. Quatre points qui sont très importants: la constitution de grands groupes industriels, les firmes, les dimensions internationales, l'évolution du concept de la propriété, la domination des économies capitalistes, la diversité du capitalisme mondial. Et comme ça, Inch'Allah, par la suite, nous allons passer directement à l'évolution de l'économie du monde. Alors, Naya, qu'est-ce que nous avons ici? La mondialisation, oui, c'est des ouvertures sur la mondialisation, ainsi que les grandes phases de la croissance économique. Alors, Hachikam, on va le voir par la suite. Alors, à d'installer la vidéo d'Yelena, on peut donner des informations matérielles, comme des informations utiles pour le développement de votre cursus universitaire. Je suis comme Amin Sallah, en direct au profil personnel, ou si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser par la suite, quand j'aurai le temps, Inch'Allah, peut-être des questions. Là, comme, ou Jumu'a Mubarakah.